Bonjour à tous et bienvenue sur MTGQ, Matt avec vous. Aujourd'hui, je vous présente le premier test qu'on a réussi à faire avec le nouveau setup pour enregistrer des parties de Commander. C'est pas parfait. On a encore à travailler au niveau de l'éclairage, au niveau du son. On va essayer de trouver une alternative efficace au son. Également, j'essaye de designer ça pour que qu'on soit en mesure de jouer des parties live. Puis de vous afficher le plus rapidement possible les cartes qui sont jouées. C'est beaucoup plus dur que je pensais. Je vais être honnête avec vous, là. Pour cette partie-là, j'ai pas joué. J'étais en arrière puis je contrôlais l'ordinateur. C'est beaucoup plus difficile. Vous allez voir, il y a quelques glitches, quelques petites erreurs, mais on va s'adapter. Je suis en train de regarder. J'aimerais évidemment ça, dans un monde parfait, trouver quelque chose qui reconnaît les cartes, où je pourrais mettre une caméra, mettre la carte en dessous, puis il reconnaîtrait, il afficherait. On regarde ça, on y travaille. Le gameplay non plus, il y a quelques erreurs qui ont été faites pendant la partie. Il y a deux des joueurs qui étaient dans les premières fois qui jouaient leur deck. Donc, nouveau deck, pas encore tout à fait habitué. Peut-être le stress d'être enregistré aussi a peut-être fait que ça a causé certaines erreurs, mais je suis très satisfait du premier test, premier résultat. De la partie. Donc, je vous laisse regarder ça. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez des trucs que je pourrais appliquer pour améliorer la lumière, le son, puis peut-être fine-tuner certaines choses, partagez ça avec moi dans les commentaires ci-bas. Sans plus tarder, je vous laisse avec le match. Bon match. Ouais, un dé, deux dés, Deux. deux. Putain, attends. C'est moi qui commence? Alors, shake it, shake ok, it. shake it chacun. Ouais. Papa, lance. 10. 10. 10. Colin. 12. 12. Je pense que j'abandonne, moi. Ouais, moi aussi, j'abandonne. Ah, ouais. Ah, puis là, en plus, ça tourne la même. Aïe. On est bon dernier. Est-ce que quelqu'un voulait couper avant? Non. Non. On a assez mélangé, je pense. Bon match. Bon ben, merci toi bon aussi. Bon match, mon cher. Oui, bon. Non, moi je vais pas garder. Attends, Max, ce n'est point à ton tour, mon cher. Je savais. Ben, moi je vais garder. Ben, moi aussi. On a-tu un Frimigan? Non. Non, oui. Oui? Frimigan? Oui. Je veux Mouligan. Moi aussi. Bouliganer. Je savais pas qu'il était fou. C'est vrai, on est pas en 1v. Normalement, tu me dis non avec une telle certitude, mon cher. Oui, je suis certain. Juste le reste de l'humanité qui dit ah, ben oui, c'est chill. Non. Hey, les cartes de chevalier, j'ai toujours de la misère à lâcher. Mais, je pense que c'est Adam qui disait c'est des cartes de. Carte de Noël, thématique Noël, Loïc, je suis comme non, c'est les chevaliers. Il est comme ah, non, c'est Noël. C'était ça, c'était thématique. Juste parce qu'il y avait du rouge. Ben moi, j'ai vraiment eu des sleeves de Noël. Tiens. Tac, tac. Là, oui, il y avait plein de Noël. C'est les sleeves. Ouais, c'est mon deck Cody Ad Nauseam. Sleeve fourni par. J'ai aussi des sleeves d'Halloween maintenant pour mon deck. Assez. Je sais plus compter mes cartes. Ouais, je vais garder ça. Ok. 5 filles. Ah, parfait. Là. Tu commences, Tim? Ouais. Maintenant, je voyais tes cartes. Ouais. T'as oublié de piger. Ah, c'est bon, puis on est pas en 1v1, là. On est dans l'habitude. Merci. Alors, je joue une forêt. Je la tape. Puis je vais jouer un bord elfe. Bon, tranquille. Au tour. Hein. Tour. Ouais, fin de tour. Parfait, je vais piger une carte pour tour. Je vais jouer une Command Tower. Et je vais taper pour un noir et jouer Tormented Soul qui peut pas bloquer et ne peut pas être bloqué et qui est imbloquable. Et c'est une 1 Spirit. Ça va être pas ce tour là-dessus. C'est lui. Je vais piger mes cartes pour tour. On va mettre. Une plaine tapée, puis je vais mettre ce qu'on fait en jeu, et fin de tour, les dents vont là. Je
Puis une carte, je vais mettre un land. Je vais taper mon land, je vais mettre Findorn Elves. La moitié joue une créature autour 1, ça va bien. Au moins, moi, elle est imbloquable. T'as-tu déjà vu un Findorn Elves bloqué? Il marque un point. Il marque un point. Je donne le point. Voilà. Je vais jouer Urbar. Urbar. Donc, toutes les reines deviennent également des swans. Mais pas vraiment. Ah, ben, merci beaucoup. Hein, toi, c'est quel? Je suis le seul qui en prend avantage en plus. Je tape. Je tape Arborel pour une verte. Arborel, c'est untaper une forêt. Ah, c'est vrai, pardon. Mais tu peux pareil untaper la forêt et la retaper pour ajouter un en plus. C'est exactement ce que je vais faire. T'as pas tapé Arborel. Tu tapes ton Arborel. C'est fait. Tapé, tapé. Ça fait trois manas. On est d'accord. On a tout compris ce point. Cultivate. Bon, ça rampe, ça rampe. C'est ça. Alors, ça va être fait tôt. Mais c'est là, s'amuser. T'en vas chercher quoi comme land? Je vais aller chercher des forêts. Ok, les deux? Oui. Parfait. Donc, on top, upkeep, drop. Je vais jouer une Islande. Et je vais aller voir. Je trouve qu'avoir de la mana, c'est dangereux. Je t'attaque avec un Étienne. Imbloquable. Bon, ben écoute, je vais l'assumer, hein? Mais avant que tu prennes les dommages, je vais faire un échange avec mon beau Yuriko. Ah! Vu qu'il y a Commander Ninjutsu pour un bleu et un noir. Donc, quand tu vas prendre le dommage, je vais révéler la carte de ma librairie. Tous les joueurs, sauf moi, tous mes adversaires vont prendre dommage égal au CMC de la carte. Et je vais l'ajouter à ma main. Donc, je vais essayer de prendre le dommage. Ça va être un Dark Ritual, fait que tout le monde prend un, sauf moi. Le mauvais côté. Ça va être pas ce tour là-dessus. Un peu de good. J'ai un. Il revenait pas quelque part. J'ai 8 cartes en main, donc je vais discarter un Step True. Il revenait pas dans ta command zone vu que tu l'as casté pour Ninjutsu. Non, non, non. Il reste là. On tape je pense que je comprends. C'est Ninjutsu, c'est juste que je peux aussi activer son effet de Ninjutsu depuis la command zone. Ok, c'est bon. C'est bon pour tout le monde, bon. Non, c'est parce que je me mélange avec Dash ou en tout cas la ouais, vitesse derrière la Sympathal Grove, elle arrive d'être tapée vu que je contrôle une plaine. Je vais taper 2 et moi aussi je vais faire comme tout le monde, je vais ramper un peu. Je vais mettre Arcane Signate. Et je vais dire là-dessus fin de tour. Je vais mettre un autre land. Je vais taper 2, je vais mettre Sakura Tribe Elder. Ooh. Ah ben, ah ben. Ça rampe aussi par chez eux. Moi, je suis le seul qui m'en pense. Attends, je suis le seul qui joue pas vert. Et ça attaque-tu par chez vous? Avec un Thorn Elves. Ça serait vraiment vu un Thorn Elves attaquer Benjamin. Eh bien, je vais prendre le dommage. Parce que c'est la vie. C'est à votre tour, Étienne. Merci. Donc, on va le taper. Hey, c'est vrai, ma chaise. Ah, oh, peut-être pas une. Donc, on va jouer une forêt. Je vais taper une verte, une forêt, une swamp, deux incolores pour jouer la drill. Et ben, et ça sort vite les commandements ici. Ça va être fin de tour. On tape, hop,
Keep draw. Je vais jouer une swamp. Ensuite, je vais. Taper pour un noir. Jouer Tormented Soul. Bon, quand même que tantôt, le spirit imbloquable, mais qui peut pas bloquer. Et qui n'a pas de créature sur le terrain? Oh là. Non, non, mais moi je suis mort. Ok. Vincent, j'attaque pour 1 avec Yuriko. Donc. Mauvais sens. Donc je révèle le dessus, ça va être un Preordained, fait que tout le monde prend un, sauf moi. Et on est chanceux pour l'instant. Oui. Sur ce, je vais dire fin de tour. On doit untap, upkeep, draw. Intéressant tout ça. Je pense que j'aurai pas le choix malheureusement. On va mettre, attention, vous êtes pas prêts, un bosquet part en jeu qui va rentrer taper. Ensuite de ça. Je pense qu'on va continuer à ramp, fait que je vais taper pour 2 verts et 1 blanc pour jouer Cultivate. Je vais aller chercher qu'est-ce que j'ai besoin. 2 forêts et ça va être une fin de tour pour moi. Que, première forêt, une qui arrive en jeu, taper. Puis l'autre, fait que t'as mon tour. Yes. Je vais mettre une lande. Je vais. Taper 4. Je vais sortir Toski. Puis je vais. Ok. Quand tu fais ça, je vais taper pour un noir. Jouer Dark Ritual. Je vais acheter 3 mana noirs dans le mana pool. Donc j'ai 3 plus 1 bleu pour jouer Notion Thief en flash. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il y a flash. Puis chaque fois qu'un adversaire va piger une carte, excepté la première qui pige au début de son tour, il pige pas et je pige une carte à place. C'est une 3. Donc, en réponse, je vais sacrifier. Je peux-tu sacrifier mon Sakura Tribe pour pas te faire de dégâts? Oui. Tada! Bon play. Moi, j'ai rien pris. Et, Attends, excepté la première qui pique. Puis au début de son tour, oui. Excepté à la draw step, là, en fait. Ok. Je peux-tu voir ma carte? Oui, bien sûr. Ça coûte 4. C'est une 3-1, ok. Ouais. Non, c'est excellent parce que c'est un flash. Là, c'est le Old Witcher qui est encore un petit peu. Je vais juste regarder ma main avant. Mais oui, ça risque d'être un compte d'eau très rapide, oui. Ok. Donc, je me tape. Je te vois. Il était content de sa shot, en plus. Bon, bon, comme bon! Ben, je peux dire bien c'est flash pour d'autres aspects que juste... Je vais jouer Wirewood Lodge. Ooh. Alors, c'est une laine qu'on peut taper, et puis... pour me taper un elfe... Je pense que ça coûte un verre, si vous voulez. Ça coûte un verre, effectivement. Okay. Sinon... Autrement, je vais jouer... Je vais payer 3, je vais jouer Parfait Imperious. Imperious Perfect. Donc les autres créatures elfes que je contrôle gagnent plus 1, plus 1. Puis avec une forêt, je peux taper un parfait. Ça crée un jeton de créature vert, elfe guerrier. Donc. je pense que je vais attaquer. Alors, ça c'est imbloquable, mais ça peut pas bloquer, hein?
Celle-là est imbloquable. Okay. L'autre, c'est une 3-1. Ok. Je t'empêche les autres de piger. Donc, je vais t'attaquer, mais jamais. Avec mon ladrill. Oui, c'est une... Il y a menace, donc tu peux pas le bloquer avec moins de deux cartes. Puis, Vincent, je vais t'attaquer avec Arborel. Donc, c'est un tir de combien chacun? Ça devient une 3, c'est une 3-4, puis ça devient une 2-2. Moi, je vais me prendre un gros 2 points de vie. Je vais me prendre 3. Okay. Alors, Benjamin, je vais créer 3 elfes guerriers parce que c'est l'effet de la drill. Et comme de la neige. Ouch. Puis, je vais. Je vais dire fin de tour. Ok. Je vais un taper. Je vais piger une carte. Taper pour un bleu. Preordain. Donc je scry 2 et ensuite piger une carte. Ça c'est le dessus et l'autre en dessous. Donc ensuite, je pige une carte. Je vais jouer une deuxième swamp. Taper pour un incolore, un bleu. Jouer Invisible Stalker, c'est une 1 Hexproof qui peut pas être bloqué. Puis invisible. Vous le voyez pas. Et je vais jouer Universal Automaton, qui est une simple 1-1 changeling point colorless. Donc, elle on la voit. Oui, effectivement. C'est bien, Max. Je vais maintenant aller voir. Qui peut pas bloquer? Moi. Lui peut bloquer. Désolé, mais il faut bien. Vincent. C'est tout. Hein? Je me prends. Je vais révéler le dessus de ma librairie. Sinter Blade, tout le monde prend un. Sauf moi. sur ce, ça va être fin de tour. Oh, moi, il va peut-être falloir que je commence à mettre des créatures en jeu. Fait que, on tap. C'est intéressant. Upkeep. Drop. Pas obligé de faire autant que moi. Attends, on va regarder ce qu'on peut faire en premier. Prendre des choses, je vais mettre une petite fleur en jeu. Ensuite de ça, je vais taper pour. Un, deux, trois, quatre, cinq pour mettre mon commander en jeu avec Trostani. Quand Trostani Scorden arrive en jeu, je mets 2 1-1 White Soldier créature token avec lifelink en jeu. C'est quand même top qui paye off avec les jeux. Je m'ai échappé une coupe là, mais. White Soldier créature. Ouais. Okay, faudrait peut-être que je rajoute juste lifelink dessus. Ça va. J'ai-tu des soldiers de la flamme? C'est mon habitude de pas avoir de token. C'est pas grave. Je mettrais des cartes à l'envers. Oui, c'est ça. Classique. Ça va être plate, là, mais. On va écrire de la flamme dessus. Ensuite de ça. Fait que c'est des 2-2 la flamme. Ouais, moi je vais pas m'en souvenir. Puis, est-ce que je fais d'autres choses avec ça? Non, je vais dire. Ouais, je vais dire fin de tour là-dessus. C'est moins beau. Mais... Mec, on va tout avec ça. C'est le fun. C'est juste que si jamais
la personne qui opère joue, elle va voir ta main aussi. Ouais, c'est un peu talent. Déjà. Étienne, il voit ma main ici. Ouais. Bon, je pense qu'il y a que... Là, je la regarderai pas, là, mais je la vois effectivement. Bon, c'est encore une chose pour Vincent, c'est juste que j'ai déjà oublié les cartes. Ouais, mais toi, t'as les yeux cross-side aussi, là. Quoi? Tu regardes, t'es là. Qu'est-ce qui se passe par chez vous? Ben, je vais me tourner de même, là. Fais comme moi, tu vois, moi, je suis un peu en angle, là. Je suis vraiment. Ben ouais, un peu, un peu. Oui, quoi? Qu'est-ce que tu fais, mon beau Max, ça? Avec tes basic forêts. 1, 2, 3. Je vais mettre Ronas l'Indomptable. Bon, Ronas l'Indomptable, qui est une 5-5 Death Touch indestructible. Elle ne peut pas attaquer tant que j'ai pas une créature avec un power 4 ou plus. Ce n'est pas le cas actuellement. Ce n'est pas le cas. Elle ne peut pas attaquer ou elle ne peut pas attaquer et bloquer. Elle ne peut pas attaquer ni bloquer. Okay. Puis, je peux payer 3 pour mettre plus 2, plus 0 et trample jusqu'à la fin du tour à une créature. Je vais continuer. Uno, dos, 3 de plus. Je vais mettre Nissa. Oh! Nissa, quelle Nissa? Nissa, voice, la voix du Zendikar. Non, mais en anglais. Voice of Zendikar. Merci. Puis je vais mettre une plante 0-1. T'as-tu les tiennes? Il me semble que oui. Ben là, je les ai pas amenés. Bon, attends. Moi, j'ai. Ah, oh, ben, il y en a une qui a apparu magique. C'est une plante 0-1. Ça tombe-tu de. Puis, j'ai pas trop le choix d'attaquer avec Tusky. Hmm. Il y a le juge de ligne qui va nous. qui va nous arranger ça. Mais là, c'est un Planeswalker, Nissa. Ouais, Nissa est un Planeswalker avec 4 points de vie actuellement. Ah, loyalty. Ben, je dis que c'est des points de vie, mais en vrai. Loyalty, mon appel. Ouais, merci. Magnifique. C'est incroyable. Wow! Oh, ça va, mes tokens. Oh, wow. Moi, ça me ferait plaisir de prendre des dommages. Ouais, hein. Viens-toi chez nous, Max. Pas de dégâts que tu m'infliges. Non. Il est talent, lui. Ouais. De toute façon, on s'en sac un peu, là, souvent. Là. Tu peux m'attaquer. Je pense que les deux vont bloquer. Ça, pas obligé de bloquer Tusky. Ouais, peu importe. Je vais t'attaquer toi, Vincent. Ok, je vais bloquer avec une 2-2 lifelink. Donc, je vais prendre 2 points de vie. C'est bon. Travailler en équipe. Non, mais... On essaye d'égaliser les points de vie le plus possible. Ça fait du sens. C'est bon. J'avoue aussi, j'ai oublié qu'il était 2-2 lifelink. Toi? Ouais. Ton token, ouais, sinon, j'aurais attaqué lui. Ok, non, je pensais que ton Tusky était 2-2 lifelink. Wow, il sort de où ton lifelink et ton plus 1 plus 1? Ah, tu sais même pas quelle carte j'ai sorti. Nissa! Je suis un peu la game. À ma ouais, année, fallait lire Nissa à ma année. C'est écrit dessus, Tusky gagne. On met 0-1. Donc, je. War Room. Je vois War Room. Ça rend une créature imbloquable, si je me trompe? Non, c'est de la pioche. Un ok, peu oui, c'est de la pioche. C'est bon. Bien. Sinon, ben c'est. Merci de me rappeler le tout. C'est une manin incolore. Ensuite de cela, je vais taper un vert, puis je vais jouer Elf of Deep Shadow. Il commence à avoir du stock ça. Ah, mais lui, il est dangereux. Là. L'elfe de l'ombre des profondeurs. Ça fait mal aux oreilles. Je vais payer 2 incolores pour jouer Botte de pied agile, qui est un artefact. Puis je vais payer 1 pour équiper avec Botte de pied agile mon commandant. Fait que ça ouais. Donne quoi à ton commandant hein? Ben, la créature équipée à la défense talismatique puis la célérité. Et puis. Et trop. Oh, défense talismatique. Bon. Je pense que Shroud est encore plus drôle, si je me souviens bien. Ouais. Shroud. Non, c'est pire que ça. C'est vraiment genre 2-3 mots. Là. Tu dis qu'ils ont abusé. Puis je vais attaquer avec. Avec la drill.
Ça me fait un plaisir de la bloquer. Ouais, mais c'est pas toi que je vais attaquer. Et combien la truc? 3, 4? 3, 4. Okay. Ben parce que... ça, qu'est-ce que t'as pour bloquer, toi? J'ai 0 1. Bon, écoute, je vais t'attaquer avec une 3, 3, 4. Ok. Malheureusement, menace. Ouais, c'est ça, tu peux pas bloquer, fait qu'il se fait 3. Ah. Que... L'art des lancers faibles, Marion. L'art des lancers faibles. Là, attends, ensuite, il y en avait 3. Il y en avait 3, là, puis on est revenu. Il est rendu 3. Avec combien d'elfes, ça attend pour le faire? 6, 7, 8, 9, 10. Fait qu'un elf de plus, puis prochain tour, on se prend full de dégâts. Puis, non, c'est pas à 10. C'est à 10 plus la trêve. Ok. Alors, je vais payer un verre. Attends, je vais taper qui... Parfaite Impérieuse. Son dixième en plus. Ok. Ouais, ça va en français. Parfaite Impérieuse. Bon, non, là, c'est vraiment ça. Et puis, ça va être fin de tour. On tape. Oh. Upkeep. Drop. Il y en a la moitié en français, la moitié en anglais. Je vais. Ok. Je vais taper pour deux. Jouer Ogre Hall. Donc, c'est une 1 flying. Quand on arrive sur le terrain, Ogre Hall. Scry 3 qui est pas désagréable. Oups. Moi, je trouve ça désagréable, mais c'est peut-être parce que c'est pas moi qui joue ça. C'est effectivement probablement une des raisons. Les trois vont rester sur le dessus. Je vais taper pour un mana bleu et jouer une petite 1-2 Naga Rogue qui peut pas être bloqué. C'est invocable. C'est quoi son nom? Slither Blade. Mais là. Il y a moi qui ai ça en tête. Ok. Est-ce que quelqu'un peut me laisser passer mes attaques pour essayer d'aller chercher une réponse pour gérer le board? Tu me promets de laisser passer l'attaque? Ben oui. Je vais t'attaquer avec une 1 Changeling et une et Yuriko 1-3. Donc les deux passent. Tu prends 2 dommages. C'est mal. Ouais. Un rewind, tout le monde prend 4. Et un sirène, okay, Storm Tamer. C'est toutes les ninjas. Tout le monde prend 5. Merci, Max, d'avoir progressé. Ça fait plaisir. Mais de toute façon. Moins de réponses que vous. Ben oui, c'est sûr. En plus, il y avait Scry. Moins de réponses que vous. Il y avait déjà ce qu'il y avait. Fin de tour. On va peut-être bloquer avec ta 0-1 la prochaine fois, qui te sert à complètement rien d'autre que bloquer. Continue à trust tes adversaires. On tape, mais pour de vrai, faudra gérer le board à Etienne. Drop. Tu commences à être un petit peu trop. En fait. Prochain tour, on va tout avoir. Être 3 en arrière. Je regarde le tapis, je regarde pas ta... Ouais, c'est pour ça que j'ai... C'est un écureux. Hey, Mathieu. Il a pas assez vu. Est-ce que je peux avoir ça? Non. Oui, ça. Ah, ça. Tu vas vraiment falloir que je fasse ça? Non. Ça dépend. Est-ce que t'es d'accord avec ça? Non, je n'aurai pas le choix. T'as toujours le choix. Mm-hmm. C'est juste qu'il faut assumer les conséquences. Non, je vais taper 4 mana. Oh. Je vais mettre Natural Order en jeu. En plus de son coup de mana, il faut que je sacrifie une green créature. Fait que j'ai pas le choix de sacrifier Trostani parce que j'ai pas d'autres green créatures en jeu. C'est triste. Trostani va aller dans mon common zone. Je vais en rechercher une green créature dans mon deck et je la mets directement en jeu. Veux-tu un dé pour le commander tank? Hein? Veux-tu un dé pour le commander tank? Oui, je te prie. Là, tu m'aimes pas mon dé, mais on va être gentil. Bon. Ouais, c'est là qu'on s'amuse. On va chercher quelque chose pour gérer.
Non, c'était pas aidé. Harley Dunter. J'ai du choix, mais je suis pas sûr. Tu de quoi qui peut répondre à un putain de board? Il y a de quoi qui peut empêcher le monde de marquer? Désolé. Bah ouais. Bon, on va aller chercher. J'espère que les gens captent notre chuchotement. Burden Force. Fait que, au début de chaque upkeep, je crée un green sap pour une créature token et c'est une 7-7. Fait que t'auras des meilleurs sacrifices maintenant pour ton prochain primal. Le technique, il faudrait que je brosse. Ce serait apprécié. C'est toujours bien de brosser les cartes. Max, pourrais-tu couper, s'il te plaît? Merci beaucoup. Il manque des ciseaux pour vraiment couper. Ouais. Après ta magnifique coupe, je vais taper 1. Je vais équiper Skullclamp à une de mes 1-1. Ma 1 va mourir, je vais pitcher 2-4. Mais dans son 2-2 flying? Non, puis maintenant, ah, à oui, cause que Trostani est dans la common zone. On va essayer d'aller chercher des réponses à votre magnifique board. Fall to plow, share. Modus. On va repayer 1. On va réécrire Skullclamp à une 1-1. On va aller pitcher 2 cartes. Deux, quatre, six, huit. Je vais dire fin de tour, puis à la fin de mon tour, je vais mettre une magnifique planète dans mon vieux. Ça va être à toi. Ils sont belles les plus. Les laines me suivent sur le vent. Fait que vu que c'est ton upkeep, je vais mettre une magnifique. Un sapouling. C'est un token officiel. Là. Je t'ai pris le max. Taper 6, je vais mettre un fabuleux vigueur. Vigueur. Bon, bon, bon. Bon, il va s'amuser, lui. Je m'amuse déjà. Non, tant mieux. Je vois pas encore, je m'amuserai pas. C'est quoi ça? C'est quoi la créature que tu veux mettre sur le. C'est une 6-6 trompule. Okay. quand une créature se prend des dégâts, je les préviens puis je mets des plus 1 comme ça dessus. Puis quand il est put dans un rivière from anywhere, je le shuffle dans ma librairie. En bref, c'est rendu vraiment trop dur de tuer ces créatures maintenant. Puis lui, il rigole quand on essaye de tuer ces créatures. Moi, je m'amuse, mais... En gros, tant que Vigor est en jeu, ces créatures sont boostées à chaque fois qu'elles ont du dégât. C'est le temps de jouer sur... Je vais avouer qu'il y a une seule chose qui fait que je m'amuse moins. on va pas se le cacher, ça gosse. De rien. Moi, j'adore. Moi, j'adore. Fait que, fin ça. Ouais. C'est pas lifelink ton patente? Non. Tu vas bloquer avec? Pourquoi? Je suis obligé d'attaquer avec Pesky. Mais tu penses-tu vraiment que j'ai envie de bloquer? Il y a Vigor sur le terrain. Ben là, t'as clairement envie que ça soit lui qui pique à la place de moi? T'as clairement pas envie, c'est-à-dire? Il y a peut-être plus de réponses que toi pour aller. Mono vert a pas beaucoup de réponses. Faites vos grosses créatures. Moi, ça me met une autre 0-1. Moi, ça me tente pas que ma 1 meure, puis ça me tente pas que t'aies plus 7 sur ton Toski. Fait que là. Hein? Je suis débile. Pourquoi mais... le 7 plus. Oh! Oh! C'est une 8-8 indestructible. T'sais, j'ai fait mes devoirs, moi, là, dans Magic. Ah, oh, y a passé. Je pense que peu importe qui t'attaque, il va laisser passer. Étienne, avec son gros sourire. Étienne, t'as compris? Tu vas laisser passer l'attaque, là. Étienne, j'ai moins de réponses que lui. Ouais, mais... Fait que tu laisseras pas passer l'attaque. C'est triste, mais... Je pense que je vais le laisser passer quand même.
Max, déclare ton attaque, hein, s'il te plaît. Ouais. Je déclare que j'attaque Étienne avec cette fabuleuse 1-1. Eh ben. T'avais pas une taille ça dans ton deck. J'en ai une des seules cartes qui gosse contre Montesquy. Let's go! Let's go! Bon. Et là, Max, est-ce que tu fais autre chose? J'ai tu l'air d'un gars qui a envie de faire autre chose? Non. Je vais juste regarder vite, vite. T'as envie de piger des cartes, je pense. Au moins, tu piges une carte de mutant, toi. Ah oui, ah, c'est tranquille, ça. Ah, oui. C'est quoi son. Bah oui, c'est tranquille, je peux rien faire. C'est quoi son nœud? C'est juste pour ça. Je peux pas piger. Son nœud. Son moins 7, il gagne X life et pige X carte, X étant le nombre de laine qu'il contrôle. Ouais. Au moins, tu gagnes de la vie. Mm-hmm. Okay. Et là, on va se manger un bon 10 points de dégâts aujourd'hui, j'imagine. Donc là, c'est à la fin de ton tour, j'imagine. Oh oui, ça okay. Fait un petit peu de temps. Il est talent. J'aurais préféré Old Breacher, ça fait de la mana. En ta phase de tap, upkeep, je vais mettre un Symphony en jeu. C'est bon. Yes. Quel beau petit token. Oh, puisque j'ai oublié de faire un taper mes deux créatures. Ok. Donc. Je vais payer un, je vais taper. Parfaite impérieuse, puis ça va le mettre de côté. Parfaite impérieuse. Oh my god! Non, 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 c'est. Ok. S'il vous plaît. Vincent, lui, tu t'attaques, tu peux bloquer. Oui. Je l'ai affiché parfait impérieuse en français. Yes! Et tiens. ok. Juste pour faire un peu de trouble. Non, pas de suite. Ok, donc je vais taper. 10 CL plus ton commandant. C'est ça. Donc, tout le monde. Je tombe à 26. 5, 6. Puis moi, j'en prends. J'en prends. C'est plus 10 pour moi, moins 10 pour toi. Ça va être. Un qui peut tuer ici, ça. Donc, ça va être fin de tour. S'il vous plaît. Je cherche des réponses. Voici mon frère. On tape. Mais moi, tape je cherche pas des réponses comme monsieur qui sait déjà c'est quoi. Je joue quelque chose. Tu sens pas en tout cas. Comment je pourrais m'arranger quelque chose? Ouais. Je vais. Un joueur est tapped out. 1, 2, 3. Ok. Oh, non. Je déclare mes attaquants. S'il y a deux ninjas, il y a une 3-1, il y a une petite 1-1 flying. C'est fini. Hey, c'est devenu un ninja. C'est quoi? C'est Ninja of the Deep Hours. Le ninja donc, des heures. Donc, pour commencer, 3, 5, 7. Des heures noires en français. Quoi? Les armes. Ok. Ok. Oups. Dans les triggers, je vais commencer. Je vais faire. Piger une carte. Et sur le stack, les trois révèlent. Donc je vais révéler avant. J'aurais mis piger avant. Un. Oh, on se mange. Non. Tout le monde prend un. Ah, je suis pas mort. Non. Attends, c'est pas fini. Et là-dedans, il y avait un Silver Raven. Hey, t'as oublié de mettre ton sac rouling. Puis j'ai un. C'est-tu human? Non. Non? Ok. Oh. Je sais pas, personne dit on tap up keep you up. Taper pour un bleu, je jouais Serene Storm Tamer. Storm Tamer. Un petit 1 flying que je peux sacrifier en payant un bleu pour counter target spell or ability qui target moi ou une créature que je contrôle. Un
Ensuite. T'as-tu checké sa main? C'est quoi qu'il y a? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je sais que ça sirène, moi. Je vais devoir discarter des cartes. Je te propose de tuer ça puis de garder tes cartes en main. Je vais discarter un marais, une swamp, et un fact or fiction, donc fait ou fiction. Ça va être pas mal une fin de tour là-dessus. On top, upkeep. On va créer un nom sapoling. Rendu à 4. Une réponse. Draw. Une forêt, c'est pas une réponse. Hein. Ok. Ça part. Ça part pas vraiment, mais bon. Mettre une petite laine en jeu. Je suis rendu à. À quel point je pige pour aller trouver une réponse à toute votre magnifique board. Mon board n'est pas si magnifique que ça. Là. C'est moi qui est magnifique. Ok, au départ, on va taper. 1, 2, 3. Attends, on va voir. On va mettre Dudlet Escort en jeu. Fait que une escort. Rhino 3-3 Soldier. Dudless Escort. Ok. Je peux la sacrifier, puis des créatures que je contrôle gagnent indestructibles jusqu'à la fin du tour. Ça, mais cute. C'est cute, hein? Oui. Hey, tantôt, là, tu n'y as pas pensé, mais il a pigé des cartes avec son Skull Clamp. Non, c'est vrai. Est-ce qu'il bloquait toutes les cartes? Il bloquait tes 4 cartes. Ouais, c'est pas un Yume, mais c'est beaucoup trop tard, pis c'est pas quelque chose qui est facile à reprendre, fait. C'est mon misplay, désolé. Moi, j'avais complètement oublié. Ça le fait discarter une plaine, ça a valu la peine! Fait quoi, je peux pas piger avec ça. Oh. Y'a personne qui peut piger sauver jamais. Oui, vous pouvez piger au début de vos tours. Puis le pire, c'est que c'est la tielle, la menace, c'est même pas ça. C'est, oui, c'est la trille. La trille, ouais. C'est décevant ce que je peux faire avec la tielle, c'est la licorne. Oui. Qui est aussi très souvent une menace. Parce que c'est une licorne. Ouais, c'est une licorne. Faut pas que elle arrive, clac, avec la corne, direct. Tu sais, genre, faut pas que le monde découvre que licorne existe pour de vrai, sinon c'est la panique générale. Elle existe pour vrai, une licorne, c'est un rhinocéros qui ne pose pas pour un magazine de bottes. Ah, pour vrai? Non, ça existe en nature de même, c'est juste que si on révèle ça, la population va paniquer. Et ouais, Max, je vais dire fin tour. Ça va être plaisir. Est-ce que je peux pas piger? Ouais, tu peux pas faire grand-chose en fait. Et en pensée, je vais encore piger. Des saprolings, ouais. J'en fais un. Ils vont être utiles. Mais toi pis moi, fort, j'imagine se booster mutuellement. J'imagine que c'est pour protéger de saprolings, hein. Moi, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais mettre Ornette Queen. Ouh! Ok, ouais. Avoue que t'as des insectes. Un Dead Touch Flying. Ben ouais, qu'est-ce que tu penses? Non, j'ai des 4-4 humains. Mais... Ah, non, mais t'as des cartes jour-nuit, là. Ouais. T'sais. 1, 2, 3. Ben, non. Prends-en juste un. Je pense que Destiny a 5 petites abeilles, ça va être compliqué. J'ai hâte de voir le Picasso, ouais. Hey boy, sans... Les Akan. Sans crayon, ouais, je complètement oublié que je pouvais pas picher. Hey, j'ai quand même piché 4 cartes sur ton nez. Des un flying. Pis t'as rien dit. Moi, je trouvais ça super normal, j'avais oublié ta carte. Hey, moi, je trouverais ça normal de picher avec Toski. C'est parce que toute son attention est fixée sur mon Toski. T'aurais dû marquer vol.
Il y en a 4, puis là, je vais. Et pour vol tes rêves. J'ai besoin de plus de T que ça, finalement. Parce que je vais faire mon moins 2. Fait que je mets un plus 1 comme temps sur toutes tes. J'espère t'apporter ta boîte de plus 1 plus 1. Non. C'est dommage. C'est une chance qu'on a un sauveur qui vient du ciel. Des dés plus un comme terre. Mais quel hasard. Dieu nous dessine des tokens et nous donne des dés. Waouh. Même mon Tusky est plus un. Ça double les dommages de Tusky. Ouais. Ça sera pas long. Il va sortir avec. Là, il va sortir un deck préféré de je sais où. Là. Je suis presque un pro des plus max. Faut que tu canardes deux joueurs. Non, ça devrait être le contraire. Est-ce que tu piges une... Max, prochain tour. Si tu me permets. En bref, je t'explique quelque chose. Si tu me permets avec une carte de prendre contrôle de ton vigor, je peux l'enlever de la game au prochain tour. Si tu fais ça, je comprends, c'est bien gentil si tu me donnes ton vigor. Je vois pas ce qui l'empêcherait, là. Non, non, mais tu vas comprendre. J'ai besoin que t'acceptes que je prenne vigor en échange de le tuer. Ouais, mais qu'est-ce qui... Je suis tapped out. Tu fais ce que tu veux, là. Non, non, mais tu vas comprendre. La carte demande de ton consentement. C'est une carte assez moderne, ça? Ouais. OK. Là, en attendant, je t'attaque ça avec Tusky, moi. Je veux pas, t'es qu'un menace plutôt! Hey, ça y fait d'autres dégâts! Quand même, je vais attaquer la menace! Il va encore t'attaquer pour 10! Max, attends là. Soit que tu le fais piger. Il est obligé d'attaquer avec Tusky. Soit que. Oh, mais c'est lui la menace, pas lui. Soit que tu prends des plus 1 gratos avec Tusky. Pourquoi je prendrais. Tu veux que je prenne des plus 1 gratos attends, avec Tusky? C'est à toi de voir. Veux-tu le faire piger ou prendre des plus 1 gratos avec Tusky? J'aimerais ça prendre des plus 1 compteurs avec Tusky. Ok. Et combien? 2-2. Ok. Je la rends 5-5. Ok. Je la rends pas 1 million. Ouais, hein? T'es bien poche. Ouais, une alliance, c'est une alliance. Tu joues avec ta 7-7. Non, je suis à boquer avec une 3-3. Ok. 3-3. Fait qu'elle est rendue plus 4. Elle est rendue 5-5. Là. Ouais, c'est ça. Plus 4, okay. Puis 1, 5-5. Ouais, bah. Hey, ça, c'est de la diplomatie. Ouais. Ça va être à ton tour. Ok. Dorime. Je suis à 9 points de vie, toi, t'es à 6. Hein? Je sais. Moi, j'ai des dead touch pour bloquer. Non, mais c'est pas comme ça qu'il va dans le jeu. Moi, je te dis. Il sort de la table si t'acceptes que je prends contrôle de vigueur jusqu'à la fin de la game. J'ai des têtes touches pour bloquer. Ça, je dirais. Max. C'est parce que lui, s'il révèle 3 cartes, ou s'il révèle pour 6 points de dégâts, t'es mort. Je sais. Mais au prochain tour, je vais pas révéler de cartes, par exemple. C'est la contrepartie à ma façon de le tuer. Là, en ce moment, je vais avouer que je trouve ça triste parce que je le sais que je vais perdre, mais je me fais quand même utiliser. Ben c'est ça, je pourrais prendre. Les deux ça. Joueurs essayent de m'utiliser pour. Moi je t'en essayé. Moi je t'en ai soit t'es à 6. C'est pour moi qui garde. Temple of Maladie, donc Scry 1. C'est maladie du temple en français ou temple de la maladie? Je veux juste que ça sorte de la table. Parce que le pire, c'est que je serais tellement en meilleure position si ça c'était pas là. Mais on est d'accord sur un point? J'aurais dû le faire tout à l'heure, mais là je vais le faire là. S'il y a une réponse à sa cochonnerie, pige. Non, mais il fait 10 de dégâts. Ça, je vais le jouer comme des noirs, parce que c'est aussi des... C'est tout des... Des sombres. Des sombres. On va laisser, c'est un jeu. Puis, 1, 2, 3, 4 incolores. Je suis en train de penser. J'aurais dû le jouer tantôt, mais en tout cas. Du sang sur la neige. Donc, ça détruit soit toutes les créatures, soit toutes les Planeswalkers. Okay. Alors, on va détruire les Planeswalkers. Il y en a un, mais c'est lui. 6 mana pour un Planeswalker. Hein? Oui.
Ah, je suis pas d'accord avec moi, ça, moi, là. C'est comme... Je suis pas d'accord avec ce play-là, mais bon. Ben, moi, je suis pas d'accord parce que je vois pas le sens avec ça, là. Mon planeswalker, il était putain utile que ça. C'était au niveau qu'il avait oublié de l'activer, là, son play. Ah non, il avait fait son... Moi, j'ai jamais oublié de l'activer. Il a fait son moins 2. Ça a fait son moins 2, c'est pour ça. Ok, donc, je vais taper... 6, c'est normal cher! Oui, tu vas... T'avais pu faire détruire toutes les créatures aussi, hein. Oui, mais non, ça n'a pas été mon option. Ok, je vais taper. Je vais activer l'effet de. On prend drill. Tous 10. Vous prenez tous 10. J'aurais pu aimer ça, moi j'étais prêt. Bon, on est en 9, t'es à 6. Oh boy. Parce qu'il voulait pas que je gagne la vie avec mon moins 7, que j'aurais dans 4 tours. Ouais. Ok. Regarde, j'aurais dû le faire avant, mais je vais juste avant de. C'est pas grave. Pourquoi t'as encore ta tante, toi, là? Ben, c'est son commandant, là, qui se demande de taper 10 elfes en plus de lui-même. Bon, donc, là, c'est quand on s'amuse. Ben, en tout cas, moi, là. Mais, je vais taper pour un bleu et trois colorless. Je vais jouer Sakashima's Wheel. Donc, c'est une sorcery, je choisis un. La demande de Sakashima. Moi, j'avais les roues. Là. Ok. Je choisis un. Si je contrôle mon commander, je peux choisir les deux. L'adversaire ciblé me donne une de ses créatures. Jusqu'à la fin. Ben, je gagne le contrôle d'une créature qu'un adversaire a. Et l'autre effet, c'est choisir une créature que je contrôle. Chaque autre créature que je contrôle devient des copies de celle-là jusqu'à la fin du tour. Fait que je te donne une créature. Mais c'est pas une si bonne idée que ça. Mais je pense que ouais, mais niveau pourquoi je te donnerais vigueur? J'ai pas envie de te donner vigueur. Si tu me donnes vigueur. Ah, sinon, attends, je peux-tu cibler vigueur? T'as-tu lu vigueur? Ouais. Attends. Vigueur, ouais, c'est une grosse créature. As-tu lu vigueur? Oui, mais j'ai besoin d'assez d'attaque pour le tuer lui en l'attaquant. Ok. 42, c'est beaucoup, là. Ce que attends, je fais, c'est que j'en prends... Tu peux faire des dégâts sur tes créatures? Non, ce que je fais, c'est que je vais en prendre contrôle. Avec le deuxième fait, je vais faire que toutes mes créatures deviennent des copies de vigueur jusqu'à la fin de tour. Ok, mais pourquoi tu prends pas une 7-7 à la place? Moi, je veux juste une grosse créature. Puis je sais que lui a vigueur qu'une grosse créature. Toi, t'as pas le board state qu'il y a. Fait que je me dis que... J'ai une 7-7. Ouais, mais t'as pareil, pas le board state. Mais il faut que tu regardes un point d'une, puis le point d'une va te donner... C'est... Ok, mais il y a pas le choix. Fait que lui, regarde. Veux-tu qu'il perde ou tu veux me faire gaspiller 4 mana? Fait que toutes tes créatures se transforment jusqu'à la fin du tour. Jusqu'à la fin du tour. Ouais, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ils vont tous aller vers lui. 9 fois 6. Beaucoup. Et il y en a un avec un plus 1, plus 1. S'il bloque, ça donne plus 1, plus 1. 6, 12, 18, 24. 9 fois 6, 48, ça fait 54. 8, il tue aussi avec Ronance. Puis j'ai pas de risque qu'il fasse un coup tordu. Moi, je te donne Ronance. Ronance, c'est une combien? C'est une 6-6. C'est quoi son effet, lui? Death Touch indestructible. Elle peut pas attaquer ou bloquer si tu contrôles. Tant que tu contrôles pas une autre. Mais c'est une légendaire. Ah! Attends. Donc, je te dis. T'as le pouvoir! T'as un danger sur la table! Prochain tour, tu perds la game à cause de lui, là! Tu peux attaquer avec tout lui? Oui, moi j'attaque avec toutes les 8, là! Toutes, je te jure! Sakashima, non, Sakashima, non, ça c'est une sorcery! Fait que ça marche pas! Mais Ronan, c'est une légendaire! Hey, c'est parce gossant. Que soit. Ok, je te donne du gars! Perd tous les 3. Oui, c'est bon, je te donne du gars! Mais non, mais. C'est quoi, Vigor? On est en vrai, on peut en profiter! Garde. Fait que là, jusqu'à la fin du tour, tout ça c'est des gros vigors. En plus, ils ont trample. Ben bravo. Fait que là, les gars, il vous reste 16 à faire à vous deux sur ton site. Vous sacrez ce qui pige des cartes. Ok. Attends, il y a pas encore fini. Là. Main Force 2.
J'aurais aimé le faire en combat Kyuriko, mais un petit brainstorm. Ça fait quoi ça? Je pige 3, puis je mets 2 de ma main sur le top. Ça devient des copies, fait qu'ils perdent leur habilité. Ouais. Habituellement des cartes de main, tu fais ça avant. On sait jamais. J'avais trop en tête l'idée de faire ça. Oui, oui, je le sais. Stop là. Encore les 4-5-6. C'est correct. C'est pas humain. Après ça, on va se taper ça. Attends, c'est important pour mon prochain tour. Silver Raven. C'est quoi ça? Petite 1 flying. Quand il est sur le terrain, je scry 1. Ok, en réponse, je vais. Oh, boy. Ouais, Silver Raven. Silver Raven. En réponse, il va tuer la petite. Ah, oui, Silver Raven. Là, c'est sur le casque. Là, t'es tapped out. Là, c'est sur le casque. Attends, t'es tapped out. Est-ce que le casque passe? Est-ce que t'es tapped out? Oui. Est-ce que le casque passe? Oui, il passe. Ah. Le TB. Je vais juste être sûr, t'es tapped. Ouais, mais il peut scryer pareil. Oh, ouais, scryer pareil. Oh, boy, ça part. Je tape 2, je vais faire raise the alarm, tout ça. Non, c'est pas fini. C'est pas fini, ok? Oh my! Oh, c'est. Oh, oh fabuleux raise the alarm! Avec les tokens. Ouais. Si Human Warrior, non, frère, mon soldier. Ok. J'en mets 2. Vraiment un dé, tu. On a-tu un dé? Ouais. On a-tu d'autres dés? On va en prendre un autre dé. Attends, attends. 2 comme ça. Ah non, il y a l'autre dé juste là. Est-ce que je... Ouais, ce sera pas. Ensuite de ça, je vais taper 3. T'es où ta main? Je vais faire March of Mutitude. Fait qu'en gros, je peux taper le nombre de créatures que je veux pour le convoque. Fait que je vais taper 1, 2, 8, 10. Ça va me faire 10, 1, 1 lifelink sur le jeu que je rajoute en jeu. Ben, c'est le fun de nous avoir aidé pour un tour au moins. Était là, ma main. Ça, puis. On a-tu un dé 20? Merci. Ouais, je vois les dés, mais. T'as juste à survivre. Non. Les loups. Fait que là, ça va être à toi, Vincent. Oui, okay. Ben, je pense. Benjamin, tu me redonnes ma 6-6, s'il te plaît. Non, c'est. Si je meurs, elle va dans le grave. C'était pas jusqu'à la fin du tour? Non. Copie, c'était jusqu'à la fin du tour. Il te l'a dit, c'était permanent. Ouais, c'est ça. Je l'ai dit comme 3 fois. Oui, il te l'a dit. Jusqu'à la fin de la game. Les copies, c'était permanent. On top. Non, permanent. Mais c'est ça, les copies, c'était jusqu'à la fin du tour. Ah, ben là. J'adore le concept de la carte. En même. Ouais, pour moi, c'est Vincent qui a gagné. Ouais, c'est Vincent. Ouais. Plus avec le lifelink là. Len, je vais taper 5. J'avais oublié 6, que les instances existaient. Pour mettre Trostani en jeu. Je vais rajouter 2-1-1 sur le jeu lifelink. Qui peuvent pas attaquer ce tour-ci. Max, t'as combien de power puis combien de créatures? J'ai. 4-2-2 flying, dead touch, 1-3-3, 1-6-6, puis 2-1-2. T'as combien de créatures en tout? 4, 5, 6, 7, 8. T'as 8 créatures? Mais oui, puis j'ai plus mon vigueur. Au moins, si on... Max, si on meurt pas dernier au moins. Je préfère encore me sacrifier pour pas finir dernier que de finir dernier parce que. Il n'y a pas eu beaucoup d'avantages. Wow! Eh boy, je pense que je vais all-in sur lui. Puis toi, tu vas sauver mon frère. Attends, toi, t'as plus de vigueur, mais t'as des dead touch. Ouais, je vais avoir des dead touch. Mais. Des 2-2 actuellement, tes trucs. Ouais, non. C'est des 2-2. Je fais quelques. Toi, je t'attaque pour un total de
10, 2, 2, life link. Pourquoi ton opérance? C'est ce que je me dis aussi. Toi, après ça, il te reste... Toi, tu me dis que t'avais 8 créatures. Ouais, mais lui, il, est à... il va être à 6, là. Faut que tu le tues. Ben non, 20 de... Ah, ben, je savais, je savais. Moi, je calcule mon affaire pour que lui, il parte. Après ça, c'est toi le problème, parce que t'as le vigueur qui est grand jeu. Ben, je vais ramasser mes cartes. Ok. Attends. Fait, mais là, lui est mort. On va attendre la fin de déclaration. Ouais. Pas du tout. Après, ça sert pas grand chose que j'attaque avec le reste pour ce tour-ci. Pourquoi? Mais. Ok. Parce que je peux pas. Non, c'est tuer... parce que eux autres, ils ont déjà la fin. Mais je peux pas tuer ce tour-ci. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Neuf. Six. Dans ma gueule? Oui, parce que ça, je peux pas attaquer avec son. Non, mais c'est pas grave, tu vas avoir toutes tes créatures au prochain tour. Si Max meurt, mais pas moi, tu vas Vigor me tuer toutes pareil. Ouais, Max, ok. Fait que 6, 2, 2, ça prouve ligne, 1, 7, 7, 1, 3, 3. Attends, excuse. 6, 2, 2, 1, 8, 8, 1, 4, 4, 2, 2, 2. Pour un total de 12, 20, 22, 26. Je vais mettre ça vers toi. Ouais, peut-être que je mette ça différemment. Tac, tac, tac. Ça, je ne peux pas attaquer. Ça, je ne peux pas attaquer. Ça, ça arrive vers toi. Ça arrive vers toi. Moi, j'ai juste le token. Fait que tout ça arrive vers toi. Je vais bloquer un token avec ça. Je vais bloquer. Lui avec une mouche. C'est une 2-2 mouche de touch? Ouais. Okay. Je vais bloquer... non. Attends. Ouais. Je vais bloquer lui avec Kronos. Lui avec une mouche. Je vais tout bloquer avec mes mouches, puis je vais tout bloquer avec ça. J'ai pas le choix de m'aimer de toute façon. Ok, attends, fait que t'as combien de mouches qui bloquent des 2-2 sa pro ligne? C'est la question. Fait qu'il y a. Ça c'est bloqué. Ça c'est bloqué. 1, 2, 3, 4, 5. Fait que j'en. Il y en. Non, il y a. Puis 6, puis il y en a. T'as de la marge. Non, c'est ça. Il y en a deux. Il y a 2-2-2 qui passent. Ok, il y a juste 2-2-2 qui passent. Ouais. Fait que moi, ce que je vais faire. Avant que les dégâts fassent, je vais sacrifier elle. Oui, je toutes mes créatures indestructibles. Je m'en doutais fortement. Fait que. Qu'est-ce qui meurt? Je pense que tout meurt sauf ça. Les trois joueurs. Vigor va dans le grave. Je gagne 20. Dans ton grave. Nice. Dans ton grave. Il y a aussi le dé là. Ouais. Pas mal. Tu vois bien que t'as ce qui. Deuxième main phase. Pas juste. Je vais taper 2. Je vais mettre Song of Furies en jeu. Fait que jusqu'à la fin de mon prochain tour, les créatures que je contrôle ont, je peux la taper, gagner un mana. Ça, c'est premier tour, deuxième tour. Puis au troisième tour, je mets plus 1 compteur sur toutes mes créatures. Ces créatures dont Vigilance, Trample et Indestructible jusqu'à la fin du tour. Fin de tour, mon cher. C'est toi. Et je mets un autre saproulin. Ça, on me sauve. Merci beaucoup, hein, de m'avoir tué. Je me sens presque important.
Ça me saoule. Merci de l'avoir tué, lui. On tue les plus grosses menaces, hein. T'as pas tort. J'aurais mis. Je vais mettre le visier de la ménagerie. Quoi, ton je peux visier? Regarder la top card. Si c'est une créature, je peux la cast. Oh! Il y a un autre truc que. Vigor a gagné Vigor. Vigor, colique. On lit tellement mal nos cartes. Hein? On lit. Oh! 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 Mais non, mais là! Faut que je le fasse! Ça change tellement la donne! Je peux gagner! Je peux littéralement gagner! Si je prends, je reprends contrôle du vigor, je peux littéralement gagner. La saturation. Ah, oh, pas. Puis c'est même pas un humain. Reprends contrôle de ta créature. Mais je peux tout commencer mon tour. Mais il est mort. Ah oh, non, attends. À la fin. Attends, non, non. At the beginning of your end step of my end step. C'est bon, ça marche pas. Ah. C'est beau. C'est bon. Ok, fine. T'aurais dû me laisser en vie. Hey, parce que je faisais full de plus 1 comme temps sur mes créatures, puis je t'avais attaqué avec tout. C'était fini pour toi, là. Mais là, c'est je vais essayer de t'attaquer pour avoir des affaires. Mais c'est tout. Pour avoir des cartes. Ouais. C'est bon, des cartes. Fait que 6, 7, 8, plus 5, plus 3. Fait que 8, 9, 10, 11, 16. Je t'attaque de 16. Désolé. T'attaque de 16. Ok. Question c'est qu'est-ce que je peux bloquer? Je vais bloquer une 2-2 avec une de mes 2-2. Puis je vais bloquer ta plus grosse créature avec l'autre. Fait que c'est Honos. Fait que j'ai 2-2-2 qui meurt, puis toi ton elfe meurt. Également parce que tu boostes. Fait que j'ai 3 cartes qui passent? 2 cartes. Je suis en bloc 2. Puis je carte. À part s'il y a Trample, non? Ok, non, il peut. Ça, ouais. Je fais 5 plus. 5 plus 3. 3, ouais. C'est 8. Mais. J'ai 2 cartes. Ouais. Ok, fini. Fini. Pinto Pinto. Hey, félicitations! Oh, Colin, c'était magnifique comme game. Oh, là, je pense que t'as déchiré les oreilles des auditeurs. Faudrait mettre une alerte. Excusez. Moi, j'aimerais ça voir une caméra de ta face entre. Mais c'est parce que ça changeait littéralement la game.